Salut les gens, c'est Slan. On se retrouve sur Space Exploration Crasterio 2 Factorio. Bon, là, les pierres, c'est pas parfait, mais c'est déjà pas mal. Ah, c'est marrant, il m'a mis un. Non, il m'a mis les 4, c'est parfait. C'est très bien. Voilà, hop. Là, je pourrais faire un petit comme ça. Là, un petit comme ça. Et là, c'est tellement bizarre qu'il n'ait pas utilisé cela. Voilà. Ok. Ok. Et encore ok. Ok. C'est parti. Bien. On a des broyeurs, on a des corps qui commencent à se faire. Paf, encore des corps. Tout cela se met en route. Alors là, on a une ligne de robots de construction qui travaille sur le démantèlement de ça. On va les laisser finir tranquille et ensuite on leur fichera la paix un petit moment. Ils ont encore 4300 pierres à gérer, donc ça va pas se faire tout de suite. Ici ça n'a rien à voir, c'est la logistique qui me fait... Ah, je ne fais pas de... D'accord, ça je n'en fais pas ça. Et là, je n'ai pas de tuyau non plus. Décidément. Il me faut des câbles de cuivre ici. Zou. Très bien. Hop, câble de cuivre. Zou. Là, on a des feux. Tout ça, c'est parfait. Faudrait mettre des rails. Alors, les rails, ça se fait avec quoi? Les rails, ça se fait avec de la pierre et de l'acier. On va pouvoir faire ça là-haut. Alors, moi ici j'ai de l'acier qui passerait. En théorie, parce que dans la pratique, c'est pas ça. Alors l'acier, on va rester aussi lent que ça hein, pour l'acier. Pas d'inquiétude. Alors là, ouais, là j'ai l'acier. Et ici, j'ai la pierre. Donc on va pouvoir faire ça comme ça. Voilà. Hop. Zou. Aïe. C'est les poutres d'acier qu'il faut. Très bien, donc on va faire autrement. Ici, nos poutres d'acier. Et en fait ici voilà, poutre d'acier s'il vous plaît. Par 50% des trucs et rail. Ça va pas faire énormément de rails, mais ça va en faire suffisamment pour que quand même ça avance un petit peu le schmelblick et que je sois pas obligé de tout faire à la main. Je crois qu'il n'y a vraiment pas besoin de mettre beaucoup de trucs comme ça. On va pouvoir enlever les rails, les broyeurs,
refaire un The Core. Parfait. On va mettre 1, 2, 3, 4. Voilà. Hop là. Ici, pourquoi il me l'a volé? Il est parti le mettre ailleurs là. Arrêtez. Arrêtez tout. Merci. Ça, c'est poubelle. Ça, c'est poubelle. Ça, c'est pas poubelle. Ça, c'est poubelle. Ça, c'est poubelle. On essaye de garder un petit peu d'espace pour nous, quand même, là-dedans. Et ça veut bien. Je comprends pas. Ces 50-là ne sont jamais utilisés. Ou ils me les ramènent. Ah, mais ils me les ramènent. Arrête. C'est plus ça que je veux, moi, ces 50 comme ça. Je comprends mieux. Là, c'est pareil. 50 comme ça, et là, 50 comme ça. Et ça, potentiellement, en plus, ça peut m'en ramener. Parfait. Donc, du coup, ça, si je les jette, ils vont être exploités. Donc, je vais le faire. Ça, par contre, elles vont pas être exploitées. Donc, voilà. Tout ça, on vire. Et ça, par contre, à l'inverse. Voilà. Maintenant on est propre. On en a plein des comme ça. On va pouvoir jeter ça. Et aller bosser encore sur un corps. Zou. Voilà, on a quelques rails qui ont commencé à être mis. Ça serait bien aussi que je fasse The Noob Programmer. Et ouais, il va falloir que je fasse les rails en premier. Zou. On va faire des rails. Des rails, des rails et des rails. J'ai besoin que ça soit fonctionnel autour de chez moi. Des pierres. Il m'en faudrait peut-être un petit peu plus si je décide de faire des rails. 800, mais je pense que je peux aller en chercher à la source. Là, c'est marrant. Il y a un endroit qui n'est pas alimenté dans ma mine de charbon. Enfin, je sais pas si c'est hyper marrant. Alors là, par contre... Voilà. Je vais faire des rails, 190. Voilà, hop. Ensuite, là, ici, on va le mettre en vert pour que ça vienne chercher ici. Mais je sais, vous me poursuivez. C'est très mignon, mais... Voilà. On a quelques blueprints. Parfait, là on voit que ça commence à être mis en place. Les broyeurs. On a encore des rails qui ont été mis, on a même des gares. Alors, cette première gare, on va vous expliquer comment sont nommées les gares. Acier, c'est la marchandise qui transite dans cette gare. Le rond, c'est parce qu'il y a un train qui attend ici. En général, c'est une gare, c'est là où on livre que le train attend. Parce que souvent, on va livrer à un seul endroit, mais délivrer pour plein d'endroits. Et c'est pour fabriquer ce produit-là.
C'est méga long à faire, les broyeurs. Alors, attends. Parce que t'es mignon, mais les broyeurs, moi, si c'est à cette vitesse-là que ça se fait, je suis désolé, mais. Hop. Hein, parce que t'es mignon, mais je vais pas les faire, moi, les broyeurs. Les corps, je veux bien les faire. J'en ai 8 à faire, puis après c'est basta terminé, fini, on n'en parle plus. Mais là, clairement pas. Là non plus, nulle part. Ok, on va mettre une comme ça. Donc une seule, déjà ça consomme moins d'énergie, on peut en profiter. Moins d'énergie sur ce truc là, je sais pas si c'est très utile. Hop là, voilà quoi. On n'a pas de tuyau, on va en demander. Là non plus on n'en a pas, des tuyaux. Hop. Nous y voilà. Donc on va remettre aussi ça. Et là on est parti. Ça devrait faire quelques broyeurs. Moi j'en aurais déjà 5 ici, des corps, des grandes foreuses. Moi je vais en faire une sixième. Je pourrais faire 350. Je vais essayer d'éviter les poutres en acier. Là on fait 4 corps maintenant, hein. Ça va piquer. Et on va aller faire tout ça où? Ben, on va aller faire tout ça ici, je pense, hein. Donc, on est parti. Alors ça circule dans quel sens? Ça circule le haut et circule vers là-bas. Et là, la circulation, elle est vers le haut, donc là vers le bas et vers la gauche. Donc vers le bas, vers la gauche, j'ai une seule voie qui rentre et elle est à droite, c'est celui-ci. Ici ça circule dans quel sens? Ça va vers la droite et vers le bas. Vers la droite, c'est ça. Et vers le bas, c'est ça. Très bien. Ici, ça va vers la droite et vers le haut. Voilà. Merci. On continue, on va là-bas. Ici, on va vers la gauche et vers le haut. Donc on a deux flèches qui rentrent. C'est celui-là. Hop là. Voilà. Alors, on peut vérifier, vous voyez, ça fait un arrondi autour d'un des trucs à chaque fois. Et là, c'est censé faire un arrondi autour de celui-là, puis autour de celui-ci, etc. Et ben maintenant, on va pouvoir les poser. Alors, dans un premier temps,
pas qu'on ait de retard. Et ben on va mettre ça. Hop là. Merci, c'est gentil pour tout ça. Le béton, tout ça, très bien. Là, ici, tu pourrais me demander ce béton-là. J'en prendrais bien 100. Bah, il me faudrait plus de... ça, dis donc. Tu m'en donnes pas? Oh là là. Pas du tout envie de me faire mes propres poutres, mais... pas bien le choix. Apparemment, il y a des cochons stylés là-dedans. On va mettre le dernier robot-port. On va expulser ça. Alors ça, c'est des corps. Combien de temps ça met à faire? 100 secondes de fabrication. Donc sur moi, ça doit prendre genre 2 minutes par truc. Donc du coup, comme j'en ai déjà ras-le-bol, eh ben, on va le faire ici. Voilà, ça se met en route. Avec pas beaucoup de modules de vitesse, faut avouer. Au lieu de faire des corps. Nous-mêmes, eh ben, on viendra les lancer comme ça à la main. Là, il y a pas mal de trucs sympas. Voilà, évidemment, fallait pas être comme ça. Non, ça c'est pas le bon. Ici. Voilà, hop. Parfait. Zou. Et maintenant on rétablit. Et ben voilà, ça l'a fait à toute vitesse. Ça fait forcément moins son malin comme ça. Donc j'ai 3 corps, j'en ai lancé une 4ème. J'en ai une 5ème qui se fait là. Un, 2, 3, 4, ça c'est la 5ème. J'ai beaucoup de pierres à nouveau. Je pense que je peux virer plus de pierres. Je referai pas beaucoup de rails. En tout cas pas sans avoir des poutres. Super la vitesse hein. En même temps si je veux je peux encore l'accélérer hein. Pas de raison que je me prive. Je désactive ça. Prends ça, je lui remets un petit coup et voilà. Il ne me fera pas croire qu'il va y aller lentement. 5, 6. Ah, on n'a pas les mines. En même temps, j'en ai 6. Est-ce qu'il y en a qui viennent des trucs? Sur la route 54, oui, bah on va pas en fabriquer. Là, on fait des rails à nouveau. Puis encore des rails. On en est où là? Toujours pas fait ici. Qu'est-ce qui te manque toi pour que tu fasses ça? Les fils de cuivre, ça c'est pas... bah, pourquoi il reçoit pas ces fils de cuivre? Bah voilà. Tout ce n'explique.
coffres tampons. Voilà, du coup, je reste persuadé que ça, j'ai pas besoin d'en faire. Ça non plus. Hop là. Trois, quatre, cinq, six. Donc ça c'est la septième. On lance la huitième et c'est fini. Et on va garder cette usine là comme ça. C'était comme ça pour faire des trucs en urgence. Peut-être lui donner des broyeurs à faire, tiens d'ailleurs. Encore des foreuses. Oui, tout à fait. Hop là. Donc alors le corps, on en est où? Bon, on peut pas dire que c'est beaucoup avancé. Les rails, ça commence à prendre forme d'un seul coup. Ça va se faire d'un seul coup les rails à mon avis. On en est où ici les rails? Ça en fait ou ça en fait pas? Tant que je ne saurai pas où c'est, on pourra pas te dire que ça en fait beaucoup, que ça en fasse beaucoup. Je sais plus où j'ai mis mes rails. Là-haut? Ici? Ouais, ça marche. Là, c'est un peu lent, mais... Ouais, c'est un peu lent, hein. Pour que ça réussisse à s'entasser... L'inventaire est plein, qu'est-ce que tu me racontes comme blague? Foreuse grande profondeur, pourquoi je fais une foreuse moi? Attends, reviens, c'est pas moi de la faire. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est à toi de la faire. Voilà, hop. Là. Voilà, on a changé la recette. On a fait plein de rails. On en relance encore. On a dit que ça serait bien que ça fasse des broyeurs, du coup. Non, les broyeurs, on les fait là-bas, c'est ça. Ici, ouais, donc c'est bon. Zouf. Parfait, regardez-moi ça. À quel point les briques ont été mises. Même les rails sont en train d'être mis à grande vitesse. Les robots ports sont en train de charger. Là, on a toute la partie électrique. On va filer un coup de main sur la partie électrique. Visiblement, ça se fait pas assez vite. Faire 25. Ça m'embête d'avoir 200 poutres à faire. Les poutres, je suis censé les recevoir à rien glander, moi. Waouh, j'ai tellement de rails sur moi. Donc on y va. Faudra penser à faire des bobines Tesla quand même. Encore une fois, il faut des poutres. Mais les poutres en fer, en acier, je vais devoir les faire moi-même, hein, je pense. Voilà, en tout cas, là, ça a été fait. Alors attention à ne pas circuler à pied comme ça sur les rails, ça ne porte pas chance du tout. Voilà. Et on aura notre premier circuit de train qui va être fonctionnel.
Au début du prochain épisode, on pourra commencer à s'intéresser au train et à faire circuler un petit peu les choses. Dans un premier temps, la mine d'uranium. Et puis relier le corps à l'uranium, puis le corps aux deux fonderies qu'on mettra en place tout de suite après. Puis une troisième fonderie qui sera l'acier. L'acier pur, et puis j'ai un bloc d'industrie de l'acier à mettre en place tout de suite après, parce que l'acier pur c'est bien, mais il y a tellement de travail sur l'acier. Il y a les rails, les barils, on s'en sert pas beaucoup, mais un petit peu. Nous avons après les rails, on a les poutres, les engrenages. Tout ça, c'est des trucs dont on a besoin régulièrement. Alors là, s'ils sont pas faits, ces deux-là, c'est probablement parce qu'il y a un robot qui est en train de s'en occuper. Alors, passe près des Tesla, même en charge. Ça fait toujours plaisir, ça met de bonne humeur. Ah, je suis déjà en panne de rail. Pas pour longtemps. Hein. Je relance 200 à nouveau. Et on va continuer à avancer ici. Voilà, ça avance. Regardez-moi ça comme ça avance. Les briques. Alors le béton c'est beaucoup plus long à faire. Mais on a les robots ports qui ont été mis. L'électricité qui est en train d'être mise petit à petit. Le nettoyage on l'avait fait avant de poser le blueprint. Donc ça va être bon. Ah, on aura fait nos blocs. Hein. Oh bah celui-là il est propre. Hein. Il est propre, fini carrément. Il manque un rail là-bas. Il manque quelques rails pour en faire le tour. Mais il est propre et fonctionnel. Il m'attend en fait. Hein. Donc la gare qui attend de l'acier, livré ici. Alors ça c'est Global Fuel Station, c'est un mode. Pour que les trains viennent se recharger automatiquement. Ici nous aurons la gare d'uranium 235. Alors comme vous pouvez le voir, elle est rouge, elle clignote. Pourquoi? Bah parce qu'elle n'a pas la quantité. Elle n'a pas 2000 uranium en attente ici. Ce n'est pas la peine de faire venir un train pour rien. Donc voilà. Et là, on appellera un train d'uranium. Cette gare ne sera active pour délivrer du minerai d'uranium que s'il y a moins de 20 000 uranium qui attendent ici, là-dedans. Vous voyez les conditions. En général, par contre, là où il y a un train, il n'y a jamais de conditions. Voilà. Mais là... Ça veut dire uranium 238, déchargement, enfin chargement dans les wagons. Voilà, chargement dans les wagons. Ça va dans le wagon. Et ça, ici, c'est qu'il y a un train. Alors oui, cette gare elle est un peu spéciale parce que ça va être une. Oui, il y a un train qui va aller chercher du minerai d'uranium 235. Non, du minerai d'uranium pour faire du 235. C'est un peu spécifique parce que l'uranium va être stocké à un autre endroit en fait. Oh, regardez comme c'est beau là-bas. On va attendre que ce soit bien mis en place avec l'électricité partout. On a encore des rails. Beaucoup de rails. La portée de l'armure, vous avez 12 stations de recharge de robots, 90 robots maximum, 69, ça fait du 34 de distance par rapport à en plus de moi. C'est-à-dire que si je me mets au centre d'un city block, je vais presque jusqu'au bord du city block. On va refaire 200 rails. Hein. Petite tour Tesla, elles sont utiles. Je rappelle que c'est grâce à elles que on se recharge d'autant plus vite en utilisant le générateur. Donc c'est pas mal d'en mettre un peu partout. Ça permet d'économiser le carburant que j'ai dans mon propre réacteur et donc d'avoir moins besoin d'aller le recharger. Comme vous pouvez le voir, on est relativement au calme quand même.
Faudrait que je mette un truc de fabrication de câble en cuivre comme ça, parce que c'est hyper long à faire soi-même. En tout cas là, pour moi, il est prêt, donc je vais le poser. Le premier blueprint vraiment fonctionnel. Ah oui, c'est vrai, pardon. Il y a dans ce blueprint un tout petit défaut. Ça m'embêtait de tout refaire ou je trouvais pas de solution qui sont gros, hein. Donc voilà. Donc il est un tout petit peu décalé. Allez, c'est parti. Et c'est déjà en train de miner. En tout cas, ça va me débarrasser. Alors, vous voyez l'effectivité qui baisse tout simplement parce que plus on en met, moins c'est efficace. J'ai fait n'importe quoi. Ah non, je gênais. Voilà, 35,36%. On fait maintenant ressources attendues du 4 par seconde. Il n'y a pas moyen de les augmenter. Par contre, attention, productivité minière, plus 30%, ça vient se rajouter. 4 par seconde, à la base, je crois que c'est du 11 par seconde. Donc, vous voyez, c'est 3 fois moins efficace, mais j'en ai mis 8. Donc c'est quand même mieux. Les broyeurs, bah, finalement, ils avaient été faits. C'est pas si mal. On va laisser mes robots bosser hein, ici. Encore un broyeur. Des usines chimiques, je sais pas si j'en ai beaucoup. Je vais en refaire un petit peu. On va pas utiliser de moteur bleu. Voilà, là on est bien. Les poutres en acier, on a l'habitude d'en faire. Et moteur bleu. Voilà, The Core. Donc le prochain épisode, ça sera justement la mise en place de ça complètement. Et la préparation des trains qui vont vider les marchandises là-dedans. Parce que bah, je vous expliquerai comment il fonctionne, hein, ce corps. Et surtout, quel est son principal usage et pourquoi il est aussi gros. C'est tout simplement parce qu'on a besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup de vulcanite pour transformer nos minéraux. Puisqu'on va les transformer avec de la vulcanite, ce qui va améliorer. On verra ça au moment où on fera la forge, mais encore le rendement. Par minerai en fait, mais pour le coup, comme on fait tout le paramétrage avec de la vulcanite, s'il n'y en a pas, ben on convertit plus. Et si on convertit plus, si on fond pas nos métaux, et ben on a vite un petit souci. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu, et à tout de suite pour la suite.